Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est sur un haul action avec plein de nouveautés, plein de promos, plein d'arrivages. On est mercredi 22 novembre, jour d'arrivage. Aujourd'hui, je vous prends parce que je voulais vous montrer mes petites trouvailles. Mais juste avant, je voulais vous partager quelque chose sur ma chaîne. J'ai été contactée par la marque Claire Body, que je remercie énormément. J'ai reçu de leur part deux produits. Je n'ai pas encore ouvert, je viens juste... Vous voyez, d'ouvrir le carton. C'est juste que j'ai fait un petit remake de ce que j'avais dit avant. Donc, le carton n'est plus ouvert. Juste avant, je l'ouvrais le carton. Là, c'est plus possible. En tout cas, je n'ai pas du tout découvert les produits parce que je voulais les découvrir avec vous. Claire Body est spécialisée dans les produits sculptants, les sous-vêtements. Vous savez que chez moi, c'est un vrai problème, notamment au niveau des soutiens-gorge. J'ai énormément de mal à trouver des sous-vêtements qui maintiennent et qui sont confortables en même temps. Donc j'ai très hâte de découvrir ce qu'ils m'ont envoyé et je les remercie bien évidemment. Je vous mets bien sûr toutes les informations en barre de description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les indiquer en commentaire. Je ne connais pas cette marque. Par contre, j'ai déjà testé plein de sous-vêtements sculptants, que ce soit des culottes, des gaines. Pour vous dire, j'en porte peu parce que je les trouve pas du tout confortables. Et pourtant, j'en aurais bien besoin. Mais du coup, j'ai hâte de voir ce que ça donne et éventuellement pouvoir repasser commande sur leur site. J'ai hâte notamment, j'aimerais vraiment découvrir leur soutien-gorge pour voir si ça pourrait répondre à mes besoins. Donc c'est parti. Je commence avec premier article, on découvre ensemble. Il s'agit donc d'une culotte gaine. Voilà déjà l'arrière. Voilà le devant. Vous avez donc un sous-vêtement qui a l'air d'être assez respirant, souple, et avec ici de chaque côté, en devant et derrière, des ce qu'on appelle des baleines, des supports un peu rigides et qui permettent normalement, si tout va bien, de ne pas s'enrouler. Parce que le problème des gaines ou des culottes gainantes, c'est que vous avez à un moment donné ça descend et vous avez l'effet bourrelet qui se retrouve. Donc là, ça semble-t-il n'est pas le cas. Ici, deuxième article, nous avons la même chose en noir. Donc moi, je porte souvent des sous-vêtements noirs, donc je suis ravie. Ce qui est pratique avec ça, c'est de pouvoir mettre ça sous une robe. Alors, la dernière fois que j'ai mis une gaine, c'était au mois de juillet pour le mariage de mon frère avec ma robe. J'étais pas du tout à l'aise. En plus, il faisait très chaud. C'était inconfortable au possible, mais c'était indispensable parce que quand on met des tenues, des fois, on est obligé. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous montrer en image maintenant, non pas tout de suite maintenant, parce que là, aujourd'hui, j'ai un haut qui est un petit peu souple, comme une chauve-souris, mais de vous montrer en image avec mon top violet. Je vous ai dit la dernière fois que j'étais très complexée de porter ce pull col roulé violet que j'ai acheté il y a 15 jours ou 3 semaines chez Kiabi et que j'adore, mais que je ne peux pas porter tout seul, sans une veste ou un gilet par-dessus. Parce que, ben voilà, tout simplement, il y a tout qui ressort au niveau du ventre. Donc, on va pouvoir voir en image tout de suite la différence. Je vous laisse donc avec les images et je vous retrouve juste après. Voilà pour la petite présentation de produits. On passe à mon haul action. Et juste avant, je vous montre juste les papiers cadeaux que j'ai achetés à Aldi parce que je vous en dis du bien chaque année. Il est vraiment de meilleure qualité que celui d'Action et surtout, il est en rouleau de 5 mètres. Donc, je le trouve ultra pratique. J'ai pris un petit Père Noël avec une déco. Enfin, voilà, c'est des petits pingouins, des petits dessins. Et ici, j'ai pris comme des lettres Santa, Dear Santa. Il y a aussi des Père Noël, c'est plus dans les tons rouges. J'en ai pris plusieurs. J'ai pris donc 3 fois 5 mètres. Normalement, ça devrait suffire. Cela dit, comme je vais faire toutes les semaines mes courses, il est possible que j'en reprenne. Il est à 99 centimes le rouleau. Et vraiment, c'est
pour moi ce qu'il y a de mieux en termes de qualité. C'est-à-dire que c'est ni trop épais parce qu'on n'a pas besoin d'un papier hyper quali, mais c'est pas non plus trop fin. C'est-à-dire que vous amenez votre paquet chez vos invités et il se déchire pendant votre trajet. Non, pas du tout. Donc voilà, je recommande. Ensuite, c'est Action. J'ai trouvé des pelotes de laine qui sont un petit peu plus complexes que d'habitude. C'est-à-dire que c'est pas un simple fil. Là, c'est bien pour tricoter des snoods, des écharpes. En plus, comme c'est assez gros, bah, ça se tricote très vite. Est-ce que j'ai les prix? Je pense que oui. Je me souviens que c'était la pelote 3,99 € l'unité. Ensuite, je vous mets les prix, je pense, en directement parce que sinon je vais passer 3 heures. J'ai pris ça au rayon nourriture, c'est très bon. C'est des bretzels et du chocolat. C'est un mix salé-sucré, mais c'est vraiment très très bon. Si vous ne connaissez pas et que vous aimez le sucré salé, n'hésitez pas. J'ai repris des peppermint parce que. Non, des Eaker's Mint, pardon. On en prend régulièrement. Et j'en ai pris un de chaque. Pour allumer le feu dans la cheminée, on a pris un pistolet comme ça à gaz. J'en ai pris un la semaine dernière chez Jiffy, vous vous souvenez. Mais comme je suis toujours en train de perdre mes briquets, mes allumes-feu et tout, j'en ai pris un deuxième parce que celui de Jiffy, je l'avais payé dans les 3 euros. Et de mémoire, celui-là, il est 1,99 €. Donc il y a presque 1 euro d'écart, c'était intéressant. Pour commencer mes petits paquets, mes petits coffrets de Noël, j'ai pris ce joli petit panier tressé dans lequel je vais disposer des choses. Pourquoi pas, par exemple, si je voulais faire un paquet avec des pelotes, du thé, des chocolats, plein de trucs. Et je me dis que c'est joli. Et c'est réutilisable après pour mettre. Soit vous pouvez mettre peut-être pas des fruits parce que c'est pas très lavable. Mais je sais pas, vos brosses à cheveux, des parfums, du maquillage, des choses qui. Vous pouvez les réutiliser, bien évidemment. J'ai repris un paquet de boules à chocolat parce que je les adore et ça fait toujours son petit effet, c'est vraiment pas cher. Continuer avec la bouffe, vu que j'avais commencé. J'ai repris du chili crackers spicy. C'est des craquelins au piment, c'est extrêmement bon. Et ça pique pas de ouf si jamais vous vous demandez. J'ai repris des graines comme ça parce que nous on en met dans la soupe et dans la salade et je n'en avais plus du tout. Et au rayon, Christmas, j'ai pris des petits emporte-pièces pour faire des sablés. Voilà, donc ça c'est prévu dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent, pour faire des petits biscuits de Noël et des biscuits comme ça, des emporte-pièces. Je crois pas que j'en avais. Et pff, franchement, c'était vraiment pas cher, donc je me suis pas trop gratté la tête. J'ai pris aussi une mayo goût truffe. Du coup, j'ai vu passer ça sur des chaînes. Moi, j'adore la truffe, mais je ne sais pas du tout si c'est bon ou si c'est pas, si c'est, comment dire, goût artificiel ou si c'est un bon goût. Voilà, je vous le fais en live. Je me suis même pas rincé les mains. Je tripote tous les trucs d'Action que tout le monde touche dans les magasins et je vous fais un live dégustation. Ça a le goût de truffe, c'est bon, mais ça a un goût de truffe artificielle. Bien évidemment, 2,49 €, hein. On ne peut pas demander la lune pour peut-être mettre, je sais pas, pour cette fin d'année, on va dire que ça pourrait être optionnel, mais je ne pense pas que je rachèterais pour autant. Affaire à suivre. Au rayon hygiène, j'ai pris une brosse à cheveux pour 99 centimes, parce que généralement, j'essaye de les rincer, de les laver, et au bout d'un moment, je les renouvelle parce que celles d'Action vont très bien. Avant, je les prenais à Primark, maintenant je les prends à Action. Et je crois que celles-ci, elles étaient à 99 centimes. J'ai pris du dentifrice parce qu'il nous en fallait, comme un peu à chaque fois, 1,59 €. Le Oral-B, protection contre les caries, nettoie et protège. Et j'ai pris ce kit qui était dans les promos de la semaine. Faut que je vous dise le prix, 4,79 €. Est-ce que vous voyez bien? C'est un kit de blanchiment dentaire, puisque j'ai prévu d'aller au dentiste, enfin chez le dentiste, je ne sais jamais comment on dit, et de me faire un blanchiment dentaire en 2024, pas cette année. Et comme ça coûte 450 €, j'ai envie d'investir parce que j'ai les dents, ça me complexe en fait, je commence à être gênée, j'aime quand je souris, tout ça, j'y pense. Donc plutôt que de rester comme ça, je me suis dit que j'allais faire ce qu'il fallait. Et comme je suis tombée sur ce kit,
à 4,79. Je me suis dit que ça valait quand même le coup d'essayer parce que dedans il y a du gel blanchissant, il y a les piles pour faire fonctionner l'appareil, une boîte de rangement, un mode d'emploi, une lampe qui blanchit, une gouttière et un guide de teinte dentaire pour voir si on voit la différence. Donc je vous en reparle en décembre parce que j'ai l'intention de le faire très vite. Voilà pour ça, j'ai repris des petites agrafes pour ma agrafeuse parce que mes enfants usent toutes mes agrafes et quand j'en ai besoin pour mon travail, je n'en ai plus. Et à chaque fois, je peste, je suis énervée, ça m'énerve. Je me dis, celle-ci, je vais les planquer. Et des petites piles parce qu'on en a toujours besoin. J'ai pris celles qui me passaient sous la main, des Duracell. Je voulais voir la diff avec les Panasonic que je prends d'habitude. Parce que c'est vrai que là, on fait tellement de consommation. De piles à la maison que j'avais acheté des piles rechargeables et tout, mais on n'arrive pas à s'y tenir correctement. On s'en sert un peu, mais on se sert pas que de ça, disons. Ah oui, 4,95 quand même. 4,95 et 2,99. Voilà, donc j'en ai pour 43,76 € pour tout ça. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Comme à chaque fois, je vous invite à vous abonner, activer la cloche pour ne rien louper et surtout, il y a plein de choses à venir ce mois-ci et courant décembre. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!